L'année prochaine pour Uncharted et Tomb Raider, aucune idée. Ouais. Sachant que ça va être une exclue Xbox temporaire, ça me casse bien les couilles, tu vois. Ils me cassent la tête avec leur exclue là. Côté marketing de merde, on s'en bat les couilles. Enfin, je te dis, t'en bats les couilles toi, gros. Non, tranquille, tranquille, va te poser, Nizar. Va te poser, frérot, va te poser. Tu sors ou quoi, gros? Va te poser, t'es ouf, mec. Je te sens pas obligé de rester sur le stream, t'es malade. Tranquille, gros, tranquille. On aura le temps demain de rigoler, gros. Sachant que demain, attention, n'oubliez pas l'équipe, demain soir. Soirée talk show, entre guillemets. Donc une grosse soirée, si vous voulez découvrir un petit peu l'actualité des jeux vidéo, des films, de la musique, je vous invite à nous rejoindre demain soir à 21h30. Ouais, je vais essayer de faire ça, Yasko aussi, mais je pense que je ferai l'après le 3. Parce que je sais pas si j'ai le droit de streamer à partir de... Je crois que t'as pas le droit de faire ça, quoi. De streamer le 3, tu vois. À moins que genre en fait, on se mette tous en chat vocal, ou tu vois ce que je veux dire. Et qu'on regarde le stream, par exemple moi genre, je sais pas, moi je mets un truc qui tourne et... on regarde ensemble, tu vois, qu'on ait les réactions et tout ça, quoi. Ouais, sérieux aussi, ça peut être pas bête, Luke. Bien sûr, bien sûr. Sachant que The Sensitive est sorti et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en parler, je pense. Ouais, bien sûr, série. Tout ce qui touche un petit peu le. Notre univers, entre guillemets. Alors ça, par contre ça commence à quelle heure s'il vous plaît le... Ah mais non mais voilà laisse tomber mec, 18h30 moi je travaillerai tu vois. Ah non c'est lundi. Ah lundi moi. Moi je travaille aussi gros, tu as vu genre si c'est pas tard dans la nuit, si c'est minuit ou quoi ça va tu vois mais... Ouais je pense que je vais les faire Nizar ouais. J'ai jamais joué à Uncharted de ma vie, donc Tomb Raider à fond, mon frère. Birna Bran. Quelle mort atroce. Oh mon dieu, comment elle est morte. Mangée par des harpies. Oh là là, la scène. Je suis choqué. Ah, mais c'est la gadji. Ah, le lundi 15 juin. Ok, merci pour l'info. Non mais moi je vais me refaire un après Ah il est là. Un après E3 en fait. Pour regarder des vidéos tous ensemble etc quoi. Ouais moi aussi Dark Souls. Parce qu'honnêtement c'est vous qui faites cette soirée, c'est pas moi hein. Moi je monte juste les vidéos pour les partager avec tout le monde. Mais c'est vous qui faites cette soirée hein. C'est vous qui envoyez des actualités. Donc ça se passe sur Twitter hein, si vous voulez envoyer des infos. Donc ça se passe sur Twitter, faudra envoyer tous les liens sur Twitter pour que je les partage directement en live. C'est profond ou pas? Parce que tout à l'heure je vois que dalle. Ok alors lundi, mardi, mercredi. Moi j'ai peur un petit peu pour The Division, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai vraiment peur. Hein. En espérant que ça soit vraiment du bon travail quoi. Je sais pas que ça va être nul mais j'ai peur. J'appréhende quoi. Ah, il est là le coffre, comment je vais faire pour monter? Sur l'île, elle est peut-être par là, non? Tout simplement. Salut Birnie, ça va ou quoi? Ça fait
fait un petit moment que t'avais pas vu. Fatigué, fatigué. Ouais, préparez les liens pour demain, l'équipe, hein, si vous avez des liens à partager pour le stream. Donc si vous avez des news, évidemment, hein, si vous passez les deux mêmes liens, j'irai de faire attention. Ne pas poster à chaque fois le même jeu, par exemple, si vous voulez montrer... Je sais qu'en ce moment, ça parle beaucoup de Mirror Edge. Vous voyez ce style de truc et tout ça. Si vous avez de la pchou, n'hésitez pas. On parlera aussi un petit peu de, des films, etc., les attentes. Comme d'habitude, quoi. Je vais essayer d'en faire une quotidienne, hein, quoi, que ça soit vraiment tous les vendredis. Et je pense qu'à partir de ce samedi, ça y est, on va instaurer un petit peu, vu que j'ai acheté des nouveaux jeux, qu'il y a pas mal de nouveautés et tout ça qui sort. À partir de samedi, je mettrai 2-3 jeux en fait. Et c'est vous qui devrez choisir. Donc je pense qu'il y aura le jeu caca culotte. Je vais essayer de voir avec Kochi s'il est chaud qu'on fasse le fameux jeu troll. J'en dis pas plus. Qu'on le fasse ensemble, avec vous. Pour toutes les personnes qui l'auront acheté. Puis voilà, faire des petits trucs comme ça, je pense que ça sera bien. Malade. Tout sèche à cause de la clim. Ah, ça, ça pique, putain. Je comprends, Bernie. Ouais, mais tranquille, Bernie. Honnêtement, encore une fois, tranquille. C'est pas une obligation, encore une fois, j'oblige personne à venir tous les jours sur les streams, ça fait plaisir quand toi je vous vois, tu vois, mais... Quand toi on se voit, je pense. Je suis parti à la nage. À trade aussi. Non, je peux pas le faire en live, gros. Je peux pas le faire en live, Ucam. Il est interdit en stream, en fait. Tous les jeux interdits moins de 18 ans, ils sont interdits, tu vois, genre... Non, non, j'ai pas le droit de le faire, sinon j'aurais fait depuis un moment, gros. Ça vous intéresse que je fasse Lego Jurassic Park? Je peux le demander aussi, le jeu. Je peux le demander, si ça intéresse les gens, je peux le faire. Non, pas du tout, je vais pas faire ça, Red. Je te dirai tout à l'heure, gros. Ça va, Dem? Ouais, ça va et toi, gros. Oh, est-ce qu'il ne peut pas respecter lui. Et en ce moment, je n'esquive plus trop les mobs, je suis un peu n'importe quoi. On va se concentrer un minimum là parce que. Oh, le découpage à la ghetto youth, il était hard. Généralement ils font toujours une contre-attaque quand tu les attaques une fois. Ah mais le démon des moyens. Mieux vaut s'en débarrasser. Ah ça, ça peut être cool dessiner aussi samedi avec toi Red. Ouais ouais ça peut être cool. Go go. Lui il surgit comme ça du bendo là. Ouais pour Lego, ah ouais ça vous tenterait Lego? Bah faut que je demande. Faut que je le demande alors. Je vais le demander à mon partenaire s'il y a possibilité que je le fasse. Ouais c'est l'air marrant, de toute façon tous les Lego c'est marrant mais ouais c'est pourquoi pas. Oh, on va passer de The Witcher à Lego, ça va être rigolo. Mais tu vois il y a une quête juste là, c'est cool. Bon ça va encore, les quêtes sur terre ne sont pas les mêmes que celles sur l'eau, sous l'eau pardon. Parce que j'avais peur que ça devienne un petit peu relou avec le temps. Amène-toi, allez. Une wyvern. J'aime pas quand t'as le feu. C'est juste pour ça en fait. Au calme, bon, c'est pas grave. Ouais, GG, ça va quoi mon frère? Tranquille ou quoi, gros? L'air de rien, ça va, j'avance plutôt pas mal. Hein. Je suis pas linéaire dans ce que je fais parce que, genre, je vais pas, tu vois, je me donne pas un objectif, je pars à droite, à gauche. Oh oh, le slide de la mort, oh, ok. Toujours en mode cool border, ça fait plaisir. Honnêtement, c'est un bug, mais ce bug il fait plaisir. Hein. Y'a pas de soucis Red. Ah, vas-y on peut faire ça aussi, on peut faire dessiner, après ça dépend, je te dis. Moi honnêtement, il y a un jeu, quand je vais vous le présenter, c'est Kochi l'a vu, il a vu de quoi je veux parler. Et il m'a dit honnêtement, il a l'air de kiffer. J'ai dit vas-y gros, en cas s'il achète... Qui ça peut être? Un combattant, ça crève les yeux. Bonsoir. Que voulez-vous?
Vous voulez entrer dans les cryptes ? Peut-être bien. Qu'est-ce que vous faites par ici ? On vient couper les ongles. Les ongles ? Des Maccabées. Vous savez pas ? Les spectres se servent d'ongles pour bâtir leur drakkar maudit. Vous leur coupez l'ongle sous le pied, en quelque sorte ? On le ferait à condition d'accéder aux cryptes. Mais ça grouille de fantômes. Vous pourriez vous en occuper ? Très bien. Je vais m'occuper de ces fantômes. Du Dead Space, m'enverrait. Bien sûr, tu m'as manqué, Bernie. Carrément. Ça va comme un cavalier, tranquille, frérot. Fantôme, spectre, non ? Fantôme, moi j'aime pas trop quand t'as dit fantôme. Parce que pour moi, des fantômes, c'est des spectres. Tout ce qui est item, je m'embarrasse plus avec ça. Ok, oh, une petite grotte là. Comme on les aime. C'est bien ça, c'est intéressant. Ça change un petit peu de délire aussi. Mais au moins vous voyez de tout un petit peu sur le live. Encore une fois, j'essaie de faire le jeu à 100%. Donc voilà, il y a de tout, hein. On papote beaucoup. Je sais, je suis une pipelette, c'est comme ça les gars. On essaye de partir à droite, à gauche. Mais on avance plutôt pas mal. Moi on avance plutôt pas mal, qu'est-ce que je vous ai dit. One shot. No respect là. Bah oh, surcharge, surcharge. Et le pire c'est que je peux rajouter. Aïe. 15% de durabilité. 15% de durabilité. 40%, 40%. Je sais que ça vaut cher. What the fuck, j'ai fait quoi? De l'ours, du griffon, de l'ours, du griffon. Je peux pas te réparer avec ce truc? Non, parce que ça, c'est des items. Je balance, frère, j'en ai marre. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Mort de rire. Ah, t'es sérieux, mon frère? Spectre de minuit, hein. C'est quoi comme jeu Cyberpunk? Ben, ça va être dans le même délire que ben, déjà c'est les personnes qui ont créé The Witcher. Mais ça va être à peu près dans le même délire mais plutôt futuriste. Ça
C'est-à-dire que ça serait un RPG avec une map beaucoup plus grande que ce qu'ils ont fait avec The Witcher, d'après leur dire, hein, c'est pas... Et ça serait plutôt dans un univers futuriste. Donc imagine un petit peu les mecs qu'ils ont fait avec The Witcher dans un milieu médiéval, alors imagine dans un milieu futuriste avec une map deux fois plus grande. Bien le bonjour. Pareil. Ça risque d'être ouf. Honnêtement... Les fantômes... À plus c'est Dempt. La crypte est sûre. Merci pour le coup de main, cheveux blancs. On fera une offrande à Freya pour lui. Arrête de dire n'importe quoi, arrête. Faut pas l'écouter... Faut pas l'écouter, Bernie. Bah oui, bien sûr que c'est Cyberpunk qui prépare... C'est City Project qui prépare Cyberpunk, les gars. C'est pas une. Hein. D'accord. Ah merde, ah ouais, d'accord, ok, je crois que c'est la quête, mais pas du tout en fait. C'était une autre quête là que j'ai fait. Calme. On va essayer de contourner ce bordel là. Mais j'ai vu qu'il y avait une grosse montagne qui longeait carrément la quête. D'accord. Que voulez-vous ? Ma collection de... Pourquoi ? Ah mais rigole pas avec ça Red. Moi je rigole pas gros. Ouais, bien sûr que j'ai fait Mass Effect, gros. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré, frère. Mais voilà. C'est fat, tout ça. J'ai plus rien lui vendre, quoi. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crois que je vais DSD7 les gars. Je vais être obligé à un moment, ça va me saouler. Hein. Quand tu vois que chaque truc, ça pèse 3, 4, 3, 11 kilos, 10 kilos. C'est trop, honnêtement, hein. J'y arrive pas là. Les runes aussi, il faut que je DS toutes les runes. Les trophées. Non, je n'ai pas fait la trilogie de Mass Effect. Jouer j'ai fait uniquement le 3, je les ai prises, j'ai pris la trilogie parce que je comptais les faire. Mais non, ça, j'ai pas pris la trilogie. Moi, ouais, j'ai pas fait la trilogie. Oui, si, ils sont en préparation pour en faire un 4ème, gros. C'est plus que sûr, hein. Ouais, j'ai un jeu, il est un peu pour à même, bon. Mass Effect quoi. C'est bien ça, jette le dommage, je jette. Moi aussi je vais faire de même gros. Ça me plaît ça. Ben voilà quelque chose d'intéressant. En plus ajouter dans le jeu. Ah il va récupérer ma carte. Coquin. C'est pas grave, on va faire de même. Et là je passe mon tour et c'est terminé. Eh vas-y maintenant. Crash les cartes. Il a voulu garder son jeu quand même, hein. C'est un culé. Hein.
Oh, ce troll de carte, c'est chaud. Si, si, c'est en préparation d'un quatrième, Nizar. Ça fait un moment, je crois, en plus. Lol. Il a pas compris, lui. J'ai mis deux trolls, mais non. C'est vrai, Bernier? C'est cool, merci infiniment. Oh, j'avais envie de faire un coup d'enculé, mon gars. Ouais, parce que je suis un gros bâtard, tiens. Merci pour l'info, Arnaud. C'est Freya qui t'a guidé jusqu'à là. Pourquoi? Attends. Il m'a donné quoi là? Il m'a donné une carte monstre, non? La Vierge de la Peste. Oh lol, ça tue. Votre mère a raison. Faut pas trop manger avant. Il est parti tuer l'enfant. Non! Ouais, c'est pas bête, Icom. Mais je crois en fait que la licence va s'appeler Mass Effect, mais ça sera plus autour de Shepard. Si je dis pas de conneries. Hein. Je crois qu'on en avait débattu, quoi, on avait parlé avec Ex. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Chercher quelque chose. Évite de traîner dans le coin. Mais lui, non. Toi, évite de traîner dans le coin. Ça me plaît, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est la première fois que je tombe sur ce truc, là. Très bizarre, le monsieur. Ah merde, c'était le boss, c'était un boss en fait. Oh merde, ben je l'ai tué. Oh non. Le Benchi? What is the fuck? Le décocté Rafa quoi? Le Rafa blanc mais quoi? En amélioré? Non. Le miel blanc supérieur? Ouais. Oh attendez là parce que... Là ça part en couille là. Déjà en œillère c'est quoi? Ouais, laisse tomber. Bon ça pue du cul. Ça pue du cul aussi.
Tout à fait, Reborn. C'est le but. Donc, lutte contre les spectres, ok. Vitriol. Oh nice. La moitié maculée. Ouais, je sais ce que c'est le Rafa Blanc, vous inquiétez pas les gars. C'est juste que le supérieur, putain c'est fat. Où c'est qu'il est passé? Putain je m'en rappelle plus le pseudo de la personne qui cherchait ce Rafa Blanc. Putain, le Rafa Blanc supérieur reste trop vicieux alors. Je saurais même pas quelle vidéo lui tirer et tout, mec. S'il passe sur le stream. Parce que je sais qu'il était à la recherche des Rafa en fait. Des Rafa Blancs. Et le supérieur en fait, on a trouvé les deux premiers. Alors le second il se trouve sur, dans un marchand, un herboriste à côté de Vélène, à côté de Novigrad. C'est dans l'est de Novigrad, dans une petite grotte. Dans une petite maison. La supérieure se trouve ici. Putain, c'est dommage. Non, j'ai pas de nouvelles sur Ours. Je l'ai vu vite fait en fait, si je mens. Je l'ai vu vite fait. Quand ça. Y a pas si longtemps que ça en fait. Je l'ai vu parce que je suis passé sur un live d'un collègue qui faisait du jeu Guild Wars. Il s'est mis beaucoup à Guild Wars 2. Là, il joue énormément à Guild Wars 2, Ours, en ce moment. Donc tant mieux, tant mieux. Et du coup, il fait du Guild Wars tranquille, au calme. Peut-être sans prise de tête. Je vais essayer de faire un bug là. Ça marchait, lol. Non. Et mais gros, des fois, tu fais des trucs sur le jeu. C'est quoi cet endroit? Non, mais sérieux, c'est quoi cet endroit? Amène-toi, allez. Oh là, attends, il y a des mobs. Oh ah, ils sont 31, mon frère, là, ça rigole plus. Hein. C'est quoi ces fantômes? J'aimerais bien contrer. Eh, je crois que c'est pas une zone pour moi là. C'est quoi cette zone, équipe? J'ai. Je suis parti dans un délire d'ouf là. Oui, d'accord, style. Au calme, bien sûr, gros. Eh mec, c'est pas des vidéos. Oh le salaud. Et les combats, ils sont vraiment. C'est quoi? Je prends parce que. Et justement, c'est sur le live de Syl, les gars. J'ai eu un peu. D'accord. D'accord, Azur. Je vais essayer de faire ça, frérot, t'as raison. Là, honnêtement, c'est fat là, je suis refait là. On s'avance dans un truc. J'hésite à tomber exprès pour juste voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent. J'en ai vu un. J'ai vu qu'il y avait un coffre là. Pourquoi dans ce jeu c'est des coquins quoi à chaque fois. Regardez ça, regardez ça. Ce que j'aurais raté, putain de merde.
C'est ouf, hein. On va se mettre un coup de Rafa. Ouais, je le goffre. La goffre, ça vaut quoi? Si, si, Ethan, moi je l'ai. Honnêtement, je l'ai, frérot. Donc ne t'inquiète pas. Ça saccade de temps à autre. Même au niveau de l'image, j'ai l'impression qu'il y a des... Attendez, parce que là j'entends des bruits de ouf. Là, je sauvegarde toutes les 4 secondes. Je vais pas vous mentir, je m'aventure dans un endroit, encore une fois, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis arrivé par ici par hasard, totalement. Et là, je descends depuis 10 minutes, qu'est-ce qu'il y a?